Let me go, no. Oh, he told me to be. Jesus! Hello! Hello! Quelques 200 personnes ont manifesté ce vendredi en Suède pour dénoncer le rassemblement du mouvement anti-immigration et anti-islam Ligne Dure, dirigé par le dano-suédois Rasmus Paludan, actuellement en tournée en Suède. Parmi les manifestants qui entendaient dénoncer l'intention du groupuscule d'extrême droite de brûler un Coran, certains s'en sont pris aux forces de l'ordre, faisant plusieurs blessés. C'est tragique, terriblement tragique, de faire preuve d'un tel mépris et de se livrer à la violence et au vandalisme. Ce qui s'est passé est extrêmement tragique. Cela a affecté la capacité de la police de notre ville à protéger les droits inscrits dans la Constitution. Ce n'est pas la première fois que le dirigeant du groupuscule d'extrême droite à Ligne Dure provoque des incidents. En novembre 2020, il avait été arrêté en France, puis expulsé. Peu après, 5 autres militants avaient été arrêtés en Belgique, accusés d'avoir voulu propager la haine en brûlant un Coran à Bruxelles.